C'est dansant. Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut Internet, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, après ma réaction d'SDM à la vie, à la mort, donc de son tout dernier projet, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de réagir à l'une de vos suggestions qui se nomme 77 degrés RK Uzi Timal ISK Negrito et Sensei. Damn, 6 artistes sur un seul son. C'est rare, hein, c'est rare de trouver des chansons avec autant de rappeurs. Alors, tous ces noms me disent quelque chose. RK me dit quelque chose, Uzi me dit quelque chose et Timal me dit quelque chose. Et je crois déjà vu voir Negrito quelque part, ok? Par contre, Sensei avec un Y à la fin, ça me dit rien. Et ISK, franchement, je ne suis pas sûr. Donc, si j'ai bien compris, hein, le nom de la chanson, c'est 77 degrés. Et depuis quand sur YouTube, sur le titre hein, de la vidéo, on met tout d'abord le nom de la chanson et après le nom des artistes? Normalement, c'est l'opposé, ok? Mais je pense qu'ils l'ont fait ainsi cette fois-ci parce que il y a trop de noms d'artistes en fait. S'ils le mettent à la fin, on verra même pas le nom de la chanson. Il y aura juste 3 petits points, quoi. Alright. Mais avant de débuter, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, oui, comme toujours, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Le gars qui joue à la Play, tranquille. C'était une Play ou bien c'était une Xbox? Hey, ça fait très brésilien là. Oh oui, 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 c'est brésilien. Oh, yo, ça me rappelle le jeu vidéo de Ronaldo. C'est RK lui, non? Est-ce que c'est RK lui? Ouais, lui c'est RK, je crois. Ah, le gars avec les cheveux comme ça, c'est ISK. Si je me trompe pas, je suis pas sûr. Ils sont tous avec le maillot du Brésil et tout là. Yeah. Il s'est fait mal, lui. Il s'est fait mal, clairement. J'espère que tout va bien. La dernière fois que j'avais réagi à... Je crois que c'est ISK. Lui, là, avec les cheveux longs, il n'était pas en train d'avancer avec des... comment on les appelle? Bon, je vais appeler ça une canne. Voilà. Mais je sais que ça a un terme spécifique. Donc, j'espère que ça va, quoi. Qu'il n'a pas eu un accident grave ou quoi. Par contre, le Brésil. Le Brésil, man, franchement... C'est regrettable, la belle époque du football brésilien, man. L'équipe du Brésil était au top. Chaque année, chaque Coupe du Monde, man, ils arrivaient en finale pratiquement, man. Oh là 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 là. Moi, je me rappelle encore, hein, la finale France-Brésil, là, où Zizou a marqué 3 buts. J'avais quoi? J'avais 8 ans, je crois, un truc comme ça, 9 ans. Mais je me rappelle, on était au Maroc. Et on était tous en train de regarder le match devant la télévision. Mais en ce moment, enfin, le Brésil, ça va, ils sont encore forts. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont nuls. Mais ils n'ont plus exactement le même niveau. Voilà, c'est un fait. Timal aussi, ouais. Ah yeah! Je procure des sensations. Wow, 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 wow.
wow. Ouh, c'est accrocheur. Le refrain là, il est accrocheur. Après, n'hésitez pas à me rectifier hein, dans les commentaires, hein, parce que je dois quand même vous l'avouer que en tant qu'adulte, j'ai dû faire des concessions. Ok, je peux pas m'intéresser à tout en ce moment, donc j'ai dû laisser tomber le football. Avant, je suivais pas énormément, tu vois, mais après une certaine année là, il a fallu que je laisse tomber le football pour me consacrer plus à mon travail et tout quoi, voilà. Donc le seul sport que je suis assidûment, on va dire, c'est le basket, NBA. Ça, je pourrais jamais lâcher ça. Donc si je suis en train de dire des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect, bien évidemment. Ça fait longtemps que je suis déçu, elle veut le user, donc elle suit. Je sais qu'elle sait. J'aime trop le sample là, le... Alors lui c'est qui? Lui je le connais pas. Ah lui c'est Negrito. Mais c'est lui Negrito. Non, c'est lui Negrito. Ça ramène la coco des îles. J'ai les contacts, c'est les bons plavons. On peut plus stable, grippe pas, baisse d'un ton. Restage, j'arrive en big patron. J'ai des certifs, plus de place dans le salon. Avec le fond vert bien dégueulasse. Franchement, est-ce que c'était nécessaire? Pas du tout. Faut que tu fasses attention. La cité est sous tension. Tu peux jouer, tu rentres chez toi. La capoeira. Ils ont même trouvé des meufs là qui portent les habits de du carnaval, hein, brésilien. Dans la poche droite, je mets le coup de flamme sur le sac pour fermer la boulette. On rafale, ça durera le temps d'un snap. Je la mets dans la lunette, on passe par la fenêtre, la porte est mes fers. Choconin et Réo, ils ont bloqué mes frères. J'ai nié les faits, pourtant on l'a fait. Dis au bas, veut que c'est carré, on se verra après. J't'ai marre de RS et j'arrive en balle, en balle. J'ai charbonné de ouf, j'ai tout fait en bas, en bas. Si tu roules avec moi, baby, ne fais pas de faux pas. Te crier, je t'aime, on te le dire tout bas, tout bas. C'est dansant. Faut que tu fasses attention. La cité est sous tension. C'est dansant sa mère, ça fait plaisir. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que les gens attendent de balancer des sons d'été? Ça, c'est un son d'été. Pourquoi vous le balancez maintenant? Expliquez-moi. On est en automne. C'est mort, là. Ça, c'est un son dansant, ensoleillé. D'ailleurs, ils n'ont pas trop montré le soleil ici. Ils ne peuvent pas, justement, parce que, clairement, ils ont filmé ça en France. Et en France, en ce moment, voilà, l'été, c'est terminé. Le soleil, il allait se coucher. Hein. C'est terminé, là. Donc, bon... C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est un son qu'ils auraient dû sortir au beau milieu de l'été, fin juillet, voilà, ou même fin juin, ça aurait tourné. Ouais, ça aurait tourné. Parce que franchement, il est cool, il est dansant, j'adore le rythme. Et franchement, les rappeurs, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Le refrain est extrêmement catchy, vraiment. Avec les, tu sais, l'effet de meute un peu là. Ça c'est cool, ça c'est cool. Moi ça me fait bouger. Non, j'ai apprécié, yes. Même si je suis pas très familier avec tous les artistes là. Il y en a deux que j'ai reconnus, hein. Donc le gars avec les cheveux, donc je crois que c'est ISK, et
et comment il s'appelle l'autre là avec deux lettres? RK. RK. Mais sinon, Uzi, Timal, Negrito et Sensei, c'était de nouvelles têtes pour moi. J'ai déjà entendu hein, leur nom. Je les ai vus peut-être, je les ai peut-être écoutés en featuring. Lorsque je réagissais à de longs projets, okay, à des albums, à des mixtapes. Mais je ne les ai pas encore vus dans les clips. Donc voilà. Bah, c'est à votre tour maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et est-ce que vous allez vous enjailler à ce son-là? Dites-moi tout. Bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.